Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lily Cuisine. Pour aujourd'hui, on va faire une tarte crumble aux fruits rouges. Donc, on aura besoin de fruits rouges. Donc, là, ils sont congelés. Il nous faudra aussi de la farine, du sucre en poudre, du beurre, un petit peu de levure chimique et des œufs. On va préchauffer notre four à 180 degrés et on va beurrer et fariner un moule. Dans un plat, on va mettre notre farine, le sucre, un tout petit peu de levure chimique, on va casser donc nos deux œufs et commencer à mélanger. Et on va ajouter notre beurre, donc il doit être légèrement mou. Voilà, faut que ça soit donc sableux. Si toutefois c'est pas assez sableux, rajoutez un petit peu de farine. Tout dépend de la grosseur de vos œufs. Ensuite, on va prendre notre plat. Et donc mettre notre pâte à crumble. Tout autour donc de notre plat, on presse bien. Une fois qu'on a bien pressé donc notre pâte, on va venir mettre nos fruits rouges. Et on va venir parsemer donc de la pâte à crumble par-dessus. Et on va enfourner ceci pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. Voici donc le résultat après 25 minutes de cuisson. Donc à 180 degrés. Je vous souhaite donc un bon appétit. À bientôt.